Et bonjour tout le monde. Et nous voilà de retour avec un nouveau personnage qui s'appelle Jake Anderson. Bon, alors attendez, un petit souci de TeamSpeak. On fait ça, on fait ça. Voilà. Un, deux. Voilà. Okay. Bon. C'est génial. La douane a complètement paumé mes bagages. Ouais, au moins ils m'ont dit que compensation, ils m'ont offert une petite bagnole. Je sais pas ce que c'est. Ah ouais, ils m'ont laissé aucune thune, ils ont tout pris. Ah, ça va, j'ai un téléphone, c'est déjà ça. qu'est-ce que c'est que ça? Le Weasel Auto? Burrito de gang. Ouais, bah t'attends un petit peu, gros. Merci. Banque. Ouais, ils m'ouvrent un compte. Bon, 1033$, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi? Première chose. Bon, qu'est-ce que c'est que cette bagnole? Une Panto. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, mais vraiment? Je dois me trimballer avec ça? Mais quel... Oh. Génial, quoi. Ça commence bien. Bon, voyons voir le GPS. Qu'est-ce qu'on a? Des zones grises. Ok, d'accord. Permis. Ah, oh, j'espère qu'il n'y a pas besoin de permis pour construire cette daube. Bon, trouvons un boulot. Parce que je vais pas aller loin avec 1033$. Un LSAS. Qu'est-ce que c'est le LSAS? Aucune idée. LSES. Ouais, des docs, ça. SPI, ça, pas de soucis. Taxi, ah non, pas besoin. Ouais. Gestionnaire. Baisser, ouais, beaucoup trop loin. Ah, Pôle emploi. Pôle emploi, ok. Oh. Un problème de volant. C'est mieux. Wow. Ça patine. Ah, ils m'ont même pas fait le plein. Génial. Je crois que c'est limité à 90. Comme dans la plupart des villes. J'y vais trop vite. Ah oui, non, mais là c'est 140. C'est une autoroute, non? Je ne sais pas. Bon, elle est microscopique, mais au moins ça avance un minimum. Là par contre c'est 90. Ah non, c'est à gauche que je dois aller, c'est par là. Change de fringue aussi.
ont racheté, ils ont pris les valises, ils ont pris les bagnoles, ils ont pris la thune, ils ont tout pris. Si, c'est vrai, c'est moi. Je m'appelle Jack. C'est là. Oh bah d'accord, ça va même pas monter sur le trottoir cette blouse. Mais monte sur le trottoir, mais on est sérieux là. Mais allez, quand même. On est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? L'aciérie. Ouais. Go postal. Journal. Peut-être un livre de journaux. Pouah, que des boulots de merde ici. Et merci Anto pour le follow. Je vais pas livrer, on va voir. C'est quoi ça? Go postal. Ouh, ça a l'air mouvementé par ici. Le GPS, il me dit quoi? Est-ce que c'est indiqué sur le GPS où c'est? Go postal. Postal? C'est ça? Ça doit être ça. On va bien voir. Tiens. C'est les médecins par ici, non? C'est un hôpital. Ouais, c'est ça, c'est un hôpital. Si c'est un métier pour l'emploi, je pense que ça doit pas beaucoup payer. Peut-être garer ma voiture. Ouais. Ouah! Ah ouais, d'accord, c'est très 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 sensible. Quasiment plein ce parking. Non, je fais gaffe. Bon, voyons voir ce que c'est que ce boulot. Bon, on va trotter un petit peu, hein. Pas le sport du matin. Bon, sachant que c'est déjà le début de remis. Ok. Là, on a le. Non, c'est mon service. Oui, mais je vais pas y aller habillé comme ça. Pas une tenue réglementaire. Ah oui, là, il y a quelques fringues. Tenue de livreur. Oui, bon, tenue réglementaire, c'est vite fait, hein.
C'est bien. Se repasse cette connerie de barrière. Moi, je peux peut-être partir par là en fait. Oh lolo, mais c'est quoi ce. Qu'est-ce qu'ils m'ont filé comme véhicule là? Mais ça avance pas. Mais je vais reculer là en fait. Oh bah je risque pas de faire des essais de vitesse avec ça moi. Non, il faudrait ça comme véhicule. Plus efficace. On voit d'accord. Bon. Le paiement, ça se fait au journal ou ça se fait. Combien j'avais d'argent sur moi déjà? Pas sur moi. 1033. D'accord. Est-ce que ça paye immédiatement? Est-ce que c'est donné en liquide? Est-ce que c'est à la fin de la tournée? On va voir ça. Alors. Eh bonjour, je viens vous donner du journal. Ah non, c'est le facteur. Ok. Mon portefeuille et mon pas donné de thunes. Non, je voulais pas faire ça. 1050. J'ai eu 17$. 17$ pour ça. En tout, j'en ai. Il me reste combien à livrer là? J'en ai encore 9 à livrer. À livrer, donc ça se fait 10, ça fait 170$ la tournée, mais c'est, mais je vais pas vivre avec ça, impossible. Je sais pas combien coûte la bouffe, mais pas aller loin avec 170$. Entreprise. Ah bah il y a de quoi faire par ici. Non, je veux pas sonner celui-là, moi je veux vendre. Taxi. Comment ça, je me suis éloigné de la porte. Ah, je suis devant là. Ouais d'accord, tu m'as claqué la porte. Bah, génial. Bon bah c'est super, t'es le deuxième, ça m'a déjà foiré la tournée, c'est génial. Bon voilà un magnifique boulot. Ok. Ouais. Ouais, je vais aller où là maintenant? Je confirme, c'est un boulot de merde. Je vais leur ramener leur camion, je vais reprendre ma bagnole, je vais aller faire autre chose. Pourquoi je passe par là? Mais ça va jamais monter. Oh ouais. Même si je fais un détour, je passe par là. Hein. Ne tourne pas. Oh là là, mais quelle horreur ce camion.
plus jamais prendre ce type de véhicule, c'est l'enfer. La Syrie, clairement pas envie de livrer des journaux. Ça, les gars, ils vous claquent à la porte. Deux, je le passe, c'est pas la peine. Pourquoi il y a un camion de sortie là? J'ai soif. J'ai faim aussi. Ok. Bon. On va retourner au Pôle emploi. Où est-ce que j'avais carré ma bagnole? Oh, encore deux. Ah non. Tant de basket. Pas mal ça. Ah, ils étaient là. Ah, la Pinto. Ah non. C'est une banque ça? Il y a la banque, plutôt plus d'essence. Ah ouais, tiens. Je crois que j'ai le beeper pour fermer la voiture. Et on va se prendre 1000 balles. Si ça va bien. Ah. Bah, je vais retirer toute la thune que j'ai. Hein. Vas-y donc, ok. Maintenant on va aller faire le plein. Est-ce qu'il y a... il était où le Pôle emploi? Fin prêt. Alors, on va aller là, il n'y a pas une station essence un peu sur le chemin. Non, il y en a une à côté, à la limite on va faire ça. Prendre la scierie. Ceinture. On va aller à la scierie. Enfin, on va aller sur. On va. Pôle emploi. Il y a beaucoup d'hélico dans cette ville. Dis donc. Bah, il y avait une banque juste à côté du Pôle emploi en fait. Bah, d'accord. Ok.
Ça, c'est bon. La scierie. D'accord, ça, c'est bon. Ah oui, faire le plein. Oh. Vous avez remis la voiture? Ouais. Où c'est la scierie? Celle-là. Une station essence sur le champ. Bah celui-là, je pars. Oui, voilà, nickel. Je pars à droite. Je fais le plein juste là. Et ensuite, on va aller voir ce que c'est la scierie. 41 litres. C'est beaucoup, 41 litres quand même. Ah oui, faudrait bien voir ça comme voiture. Sans hésiter. $82, mais quelle bande de voleurs. Ouais, 90 toujours. On prend la prochaine à gauche. Ok. La gauche. Bah dans un parking là, je vais faire comme. L'autre boulot, je vais ranger. Carrer ma voiture ici. Sauter là? Oui, ça va, c'est pas où? Nickel. Ah bah, c'est déjà vachement plus grand que le coup postal. D'accord, on ressemble à rien donc. C'est horrible l'orange. Ah! Me rendre à la récolte. Attends, elle est où la récolte? Voyons voir les points d'intérêt dans cette ville. Récolte, récolte. Un paquet de choses, mais pas de récolte là. Hein. Ah, récolte fer. Ok. Bon, bah, on va y aller. Ok, on va aller par là. Je le passe. Là, ça va être limité à 140, je pense. Est-ce que je réussirai réellement à les atteindre les 140 avec ce camion?
pas convaincu. Non, je ne devrais pas pouvoir faire d'excès juste à ce fait que je te. Je dois ralentir, ça va être à 90 ici. Oui, je vais trop vite. Bon. Ah zut. T'as dit, je fasse un petit truc. Voilà. Ah si? Ah oui, si, elles sont là. Voilà. Je les avais pas vues. Allez, revoir tout. Où il va lui? Si, c'est par là. Ok. Ouais, elle est par là. Oh, il y a peut-être moyen que je tourne là. Je vais tourner là-bas. Petite soif aussi. Là? Ah oui, ça a l'air d'être là. Salut, salut! On voit, il y a du monde. J'essaie de me mettre là-bas derrière. Et bonjour. Alors, ouais, on va ramasser. Bonjour, vous avez pas vu arriver. Eh ben, je viens d'arriver.
Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Bah, fraîchement débarqué. Ah bah, bienvenue. Merci. Du coup, je pense que vous n'avez pas encore été abordé par l'association ENA, Non. une association qui aide les nouveaux arrivants. Ça peut être très D'accord. pratique Ouais, de vous ouais. aider. Bah ouais, j'ai vu, j'avais 1000 balles sur mon compte. Donc j'ai les retirer, donc j'ai plus rien. Vous avez été voir la mairie aussi ou pas? Non, elle est où la mairie? Alors elle est pas loin du point Y normalement. Y, Ça fait tellement c'est longtemps que. D'ailleurs il qui? faudrait peut-être que j'y aille, mais c'est Qui? bien. Reste. Ah oui, alors elle est pas Y. ouverte en plus. Ah, d'accord. Elle est pas ouverte. Elle Ah, est dans ton parcours, normalement en mec, je pense que tu as 72, des hein, si je dis pas de tickets, tu peux bêtises. récupérer aux deux mairies? Ou un truc du genre. 72-20. D'accord. Quand ils seront ouverts, il faudra aller les voir. Ils vous donnent quelques trucs pour bien démarrer. Bah, ça peut toujours être utile, hein, c'est sûr. Et en même temps, ils en profiteront pour vous mettre en relation avec l'ENA. J'entends pas le collègue, mais je pense qu'il te parle des tickets que tu peux récupérer, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est vrai que je Tu peux criais en pas très récupérer aux très deux fort, mairies, ouais. ouais. Ah, pas de soucis. Ah, du coup, faut que tu passes aux deux mairies, il faudrait que tu passes aussi à l'hôpital pour faire ton dossier médical. D'accord, Ah, c'est vrai, ça, ok. j'oublie de le préciser à chaque fois. Faut penser à passer à l'hôpital pour le dossier médical. Ouais, voilà. Et puis, si tu peux passer à un magasin de vêtements pour acheter un sac, c'est plus pratique pour bosser. Eh bien, j'en aurais des choses à faire. Ouais, ici ça va, et pour l'autre côté aussi, tu peux directement piocher dans le coffre, mais quand il faudra fondre la scierie, Ouais, ça te fait d'accord. un peu moins d'aller-retour à faire, quoi. C'est drôle de se faire expliquer les choses alors que tu sais déjà tout. Ça m'a l'air très long quand même comme boulot. Alors oui, c'est très long, c'est très chiant, mais c'est ce qui Ouais. rapporte le mieux. D'accord. Bah, j'ai essayé Après, une il faut aller travailler dans micro-posta. les entreprises, sinon dans les Ouais. entreprises ça paye beaucoup mieux, mais faut se faire recruter. Les entreprises, ça paye beaucoup mieux. Mais vous Ouais, avez t'as quelles les offres. entreprises recrutent ou pas? Sur l'intranet Discord, t'as les annonces dans les pubs du Wuzzel News. T'en as qui proposent le recrutement, sinon sur ton téléphone, sur le Wuzzel News. News, t'as des annonces de recrutement. D'accord. Regardez vite fait si ça a été mis à jour sur l'ENA. Hop. Place entreprise. Alors, d'après l'ENA, il reste 2 places au Bénise, 4 places à la ferme, 2 D'accord. places au vignoble, brasserie apparemment 3 places, Rhône apparemment 4 places. Ok. Et les autres sont pas mis à jour depuis trop longtemps. Et sinon, après, il y a le LSES qui recrute et le BCSO apparemment qui recrute encore. Le BCSO, c'est quoi ça? C'est la La police police du du Nord. Nord. D'accord.
Oh, qu'est-ce que c'est chiant de venir travailler ici? J'avais oublié à quel point c'était chiant. Ah, c'est pas le plus excitant, ouais. Non, Mais au il moins, il y a un a côté inventé relaxant presque. Ah bah oui, c'est très calme. Et enfin, disons que moi, ça me permet de continuer à garder des sous pour payer. Parce que j'ai des taxes à payer à chaque fois. Ouais. Ça, j'ai pas encore. Je vais noter mon numéro de téléphone dans un coin parce que sinon je vais l'oublier. Juste attendre de pouvoir déposer les 100. Boire aussi, ça peut être intéressant. Mais non, je vais pas les donner, je vais les déposer dans le coffre. Téléphone 62 37. Je mets sur un petit post-it. 60. Ah, viens là, toi. Un stylo. Pas de stylo, j'ai un crayon. Salut, salut. 62 37. 62. 37, voilà, c'est noté comme ça. Pas besoin de vérifier. Et bah ouais. Nouveau perso, nouvelle vie, nouveau départ. Actuellement à la Syrie, sachant pertinemment que c'est de la grosse daube. Bon, on va le faire en par 50, allez. Donc encore 150 à déposer. Ça fait à peu près combien d'argent une tournée? 1500. Ah oui, c'est vraiment pas terrible. Toujours mieux que rien. Ouais, c'est ça. Allez, ça fait du pénis aussi. Parce que c'est le pénis, mais. Pénis. Ouais, bon courage à toutes. Eh ben Ah, merci, à toi merci, aussi. courage. Merci. Et merde. J'en ai combien moi? Bon bah là encore 100 et
Et je les dépose. Je suis pas convaincu que je me remplirai les poches. 15h11, j'ai encore 49 minutes. Ouais, non, je vais pas me remplir les poches, hein. Je vais juste remplir le camion, je vais me barrer. Aïe. J'ai regardé sur le GPS, j'ai vu des zones qui étaient grises. Ça consiste en quoi? Ah, alors ça, c'est les zones où il faut surtout pas aller, c'est les zones de gang. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'est des groupes criminels qui ont pris ces quartiers et qui les ont revendiqués. Donc, quand on passe Ouais. à côté, on fait gaffe. D'accord. Il faut surtout pas les traverser si on n'y est pas invité. Ok, d'accord. Pour l'instant, en Après, il y a fait. d'autres zones qui sont prises par d'autres groupes mais qui n'ont pas été revendiquées. D'accord. Donc, c'est pas noté. Bah, en soi, on passe, on fait gaffe. Ok. C'est un mercenaire, sauf que bah, il a absolument plus rien, donc là il va partir un petit coup dans le civil pendant au moins 2-3 semaines, je dirais, histoire de se refaire une santé. Et puis après, bah, il va faire du mercenariat, comment dire. Il va repartir du côté criminel, je pense. Fin. Non, je veux pas les mettre dans le camion, mes sandwichs. Mais bon, ouais, pour l'instant, trouver un boulot et travailler pour me faire des sous. Bon. Est-ce que je me remplis les poches ou pas? Attends, il l'a vu où ça? Qui recrute? Ah non, c'est peut-être dans Los Santos County. Ah oui, c'est là. Beniz, il recrute, ça non. Wesmuse, Ron, il recrute. Ouais, groupe 6. Bon, je vais envoyer. Parce que c'est groupe 6, mais. Hop 6. Hop 6. Hop 6. Là. Eh ben merci. Un contact que tu. Allez, c'est parti. Et ben à plus tard dans ce cas. Parce combien truc de faire 1900. 4, ça fait 23, donc ça fait 0,8. 0,8 pour casser, 0,2 le minerai de fer. Oui. Yo mec, Salut. salut mon gars, Ça va? tu m'entends? Ouais, je t'entends. Dis-moi, tu sais où c'est que je peux me changer? Bah, j'ai vu que c'était juste à côté de là où on prend le camion. Ah ouais, à l'extérieur? Ouais. À Merde, j'ai côté pas fait gaffe. de la porte du grand hangar, là. Ouais, j'ai pas fait gaffe, ok. Écoute, je vais rester comme ça pour cette tournée, je me changerai après. Ouais. Pourtant que t'es en ville? Ah bah je viens d'arriver là il y a quelques heures. Ah ouais, aujourd'hui? Ouais.
Déjà, mec, c'est ouf. Bah, je vais essayer de faire le groupe postal. Au bout Ouais, ça c'est de pourri à chier, ça. Hein. livraison, le gars m'a claqué la porte et j'avais plus de point GPS. Ah ouais, ok, d'accord, t'es carrément fait virer direct, quoi. Ouais. Ouais, c'est chaud. Après, j'ai pas du tout envie de livrer des journaux, donc je suis venu voir ça. Ouais, ça c'est sympa, ça fait un peu des thunes. On m'a dit 1500 balles la tournée. Ouais, c'est ça, faut compter, je sais pas, je dirais peut-être 40 minutes. Ok, bah là j'ai fini. Ouais, bon courage, mec. Et bah toi aussi. À la prochaine. Allez, éviter de l'écraser. Ce serait dommage quand même de l'écraser. Bon, je meurs. Il me reste 43 minutes. Oh, c'est risqué, mais ça passe par là, non? Il va doucement. Ah oh, oui. Bah alors, tu veux ta barrière? Ah, bon. Bah c'est ouvert. Ouais, c'est pareil, le patron de la série, le plein, tout juste ce qu'il faut, quoi. Alors, on va faire un détour. Oui, j'ai trop vite, comme t'as grandi. Si je dépasse un petit peu, personne n'en saura rien. Pas de la musique dans cette vanille, Camille, petite radio, ça fait pas mal. Il n'y a pas a priori. Dommage. Par contre, 40 minutes, une tournée de la série, je suis pas convaincu là. Plus au niveau de l'heure que 40 minutes. Ça passe. Ah. Non, ça. Oui, allô. Je vous rappelle par rapport à l'appel entreprise que vous nous avez fait. Oui, tout à fait. Et bien du coup, je vais vous demander si vous êtes intéressé par le boulot de d'envoyer directement un mail à Monsieur Gabriel Duchesne. Gabriel Duchesne, d'accord. Donc son mail c'est gabriel.duchesne@discord.gg Ok. en indiquant votre nom, votre prénom, vos disponibilités, votre numéro de téléphone aussi, c'est important pour vous rappeler. D'accord. Et une petite présentation vite fait, voilà. Ok, pas de soucis. Bah, je vais faire ça. Ok, Donc, Gabriel super. Duchesne. Ok. C'est lui-même. C'est noté. Nickel. Eh ben, merci. Allez, Et et ben bonne bon journée à vous. courage à vous. Au revoir.
crois. Ouais, je vais même mettre. Il y a un gros tuyau. Bon, je me garer là, moi. Hop là, bon. C'est parti. Comment elle fait pour arriver là? Rebonjour. VRE. C'était pas voulu ça. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je comprends. Ça fait ça les premières fois. Mais à quel moment il y avait ce raccourci là? Non, c'est pas ça. C'était donc un des raccourcis. Ah si, non? Animation? Ah oui, c'est ça. Mais à quel moment les... Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je... Je pensais que c'était contre un mur 2, moi. Ah, c'est mieux. On peut dire, croiser les bras. Ciao. D'accord. On recommence. Ah, c'est mieux. Alors, Discord, Gabriel Duchel. J'ai un seul moi le... Oui. Gabriel Duchel. Oui, allô. Oui, allô, bonjour. Oui.
comment allez-vous? Très bien, et vous? Monsieur Kiesel de Charon Petroleum. D'accord, enchanté. Du coup, je vous appelle, c'était oui. pour vous prévenir qu'actuellement nous sommes au plein emploi, donc il n'y a pas de disponible actuellement chez nous. Ah, d'accord, très bien. J'avais cru voir sur. Sur le. Les annonces du gouvernement. Non, de la mairie, je crois que. Oui, on a embauché deux personnes aujourd'hui. D'accord. Okay, il y a déjà une troisième personne en attente. Et bah, voilà. Pas de soucis. Allez, bon courage. Merci de votre appel. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, on est combien? 37. Exactement. Je suis de retour pour vous jouer des mauvais tours. Enfin, pas pour l'instant, on va dire. Je vais être sage. Mais par contre, d'ici quelques temps, je le serai certainement moins. Alors, j'en étais. Je suis venu le matin. J'aurais jamais le temps de la finir, la tournée. Bonjour. Et bonjour. 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 Ça va bien? Ouais, ouais, bon. Très bien. Très bien. Qu'est-ce qu'on a là? Quoi, c'est du bleu? Ça tape, ça tape. C'est les cours. Ouais, ouais. Ça ouais, débute. Ouais. Ouais. Vous cherchez pas du boulot un peu plus sérieux que la série? Moi, pour l'instant, ça va. Ouais, pas pour l'instant.
Ouais, accident. Vous avez pas postulé dans la dans le dans le civil? Bon, j'ai envoyé quelques messages à quelques entreprises là. Comment? J'ai un ami qui recherche des avocats, si ça intéresse le juridique. Oula, non. Pas du tout. Non, c'est pas pour moi non plus, la paperasse. Mais merci pour la proposition. Après, il y a le côté un peu plus illégal, si vous voulez. Pour l'instant, j'aime bien ce boulot, c'est relaxant, Ouais. c'est presque relaxant. J'ai pas vraiment beaucoup Je d'argent, donc réfléchis à rien. tout ce qui est illégal, ce sera pas pour moi. Ouais. Ouais, bah en plus j'ai un rhume mais j'ai absolument rien. Je suis content. Ah, pourtant, je me suis éloigné. Ah Désolé. c'est, d'accord, bon bah. On sera tous enrhumés, je pense. Ah bah, désolé. Ouais, je contacte les médecins. Il y a un cluster en route. Bon, par contre, il ouais, faut que je cours. J'ai encore une demi-heure là. Enfin, 28 minutes pour être précis. On dépose. Dépose du 69, on en prend 138. On est d'accord? Non, 140. Ouais, merci, pareil. Et bonne journée. Bonne journée à vous. C'est pas un peu. Bah c'est. Là, fermé au camion? Quand même pas. Pas de panique, les médecins arrivent. Ah bah c'est cool. On a besoin. Et ouais, j'avais oublié qu'on pouvait souvent tomber malade quand on travaille à la scierie. Ouais, moi c'est la première fois là. Ça a l'air très Alors moi je suis plutôt sain. résistant. Ouais. Du coup, les médecins arrivent là, c'est ça? Ouais, ils arrivent. Bon, ils vont faire d'une pierre trois coups au moins. Ah, disons qu'avant, je m'en rendais pas vraiment compte parce que, bon, bah, vu que je travaillais à l'hôpital, quand on tombait malade, on soigne aussitôt. Ouais, c'est clair. Et pourquoi t'as arrêté à l'hôpital? Manque de temps pour le moment, donc d'autant que je récupère des disponibilités, j'ai préféré laisser ma place. Ok. J'attends d'avoir un petit peu plus de disponibilité pour pouvoir y retourner. Ok. Ça se tient. Et où est-ce qu'on peut acheter de la bouffe? Parce que là, j'ai demandé mon dernier sandwich. Dans les supérettes, mais sinon on va à la mairie Et et file salut des tickets. Lana, j'ai Bonjour. contaminé tout le Bien monde. le bonjour. Ah bah super. Et je suis gentil, hein. Ah bah oui, c'est très sympathique, oui. Hop là. Premier jour de travail à la scierie, je contamine tout le monde.
Hop, et voilà. Merci. C'est bon, Du t'es coup, tu vas sûr? pouvoir faire le tour. Ouais, c'est bon. Ah, bonjour tout le monde. Ah bah t'as trouvé Bonjour. les vêtements. Ouais, j'ai trouvé. Super, Hop. merci beaucoup. Mais pas de soucis. Qui d'autre? Moi. Ah, moi aussi, je veux bien. À vous deux. Oui, moi aussi, du coup. Ouais, pareil. Hop. Tac. Et Vite. voilà. Merci, merci Doc. Mais pas de soucis. Hop. Et voilà. Merci bien. Et pas de soucis, c'est tout bon, bien sûr. C'est tout bon. Moi j'ai Nickel. juste un petit truc. Oui. D'ansi je me suis un peu blessé le genou, alors je sais pas si peut-être juste un pansement ça devrait suffire. Oui. On va. Nickel. S'il vous plaît. Si vous avez des douleurs qui persistent ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à repasser, faire Ouais, des ça examens. marche. Et sinon, Hop, j'avais une autre question à et vite voilà. prendre. Super, merci. Dites-moi. Je crois que c'est avec vous qu'il faudrait que je prenne contact pour le permis par rapport à la Fondation Collins. Oui, absolument. Ok, je sais pas si vous avez le temps là ou si je repasse plus tard. Vous avez mon numéro? Oui, j'ai votre numéro, ouais. Et bah dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez m'appeler? Ah, je pense que je serais parti d'ici là, mais du coup, je dois. Bon, ce soir, il faudra que je fasse tous les trucs, tickets, machin, bidule. Mais là, je crois que j'aurai même pas le temps de finir la tournée. Combien il m'en reste? 70, contenu, on en prend 140. Il me reste 22 minutes. Ouais, après, je peux déborder un petit peu, mais. Merci, pareil. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, on. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme. Bon, on se voit l'attente à la vente à toutes. Ok, à toutes. Je voulais quoi? Annonce. Los Santos, machin chouette, c'est ça. Venice, c'est bon, Black Cat, non, Rogers, non, groupe 6, j'envoie le message, Ron, c'est fermé, Wesel News. Médecin, flic, oh, non.
qu'on a là-dedans? Quatre cent mille. Fait cher quand même, une bagnole. Ah voilà, 475 000 pour une moto. Vendominator ASP. D'accord. Ils sont V8 de 16,4 000. Oui, ça doit sur la photo. Oui, ça, à mon avis, Autarque 400 000. Oh, je cherche un bonjour, fricoleur. Original comme véhicule. Fricoleur, oui. On vend un caoutchouc. Ouais. 10, 15. Coquette, ah, mais j'en ai vu des coquettes. Sympa les coquettes. Zombie chopper. Je cherche une amie. Oh, il y en a partout du camion. Et carton. Pas les camions. Chasser le temps classique, embryosso. Ah, oui. Monsieur Bolton. Contender, Devian. Diabolus Custom. Ouais. Allez, j'ai fait le tour. D'accord. Maintenant. Balade à l'eau dans une petite fois que je suis la ferme. Quick Mander. Jamais sur un paquet dans le nord. Oh, Rogers. Rogers. Là. Merci d'avance ou quoi, machin. Tom Duniz. Tom. Lui, j'ai pas retenu son nom. Oh non, je vais pas faire ça. Ron Petrolium. Voilà, on l'appelait comme ça. $170. Ouais. Bon, bah, je vais à la vente. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Il me reste 14 minutes. Oh mais quel enfer. Bon, l'avantage j'ai triché, je sais pertinemment où elle est. Elle est là. J'ai pas le temps. Oh quel enfer.
Je me suis très mal pris. Oh, ça va. Quel talent de pilote. Hey. Ouais. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est la merde, j'ai perdu un peu le contrôle là, je me suis mis dans le muret là. Ouais, hop là, j'ai appelé le Beniz là, il devrait arriver. D'accord. Ouais. Ouais, je sais pas si t'arrives à passer, il y a des voitures qui arrivent, mais bon, un camion. Je sais pas, on va voir. Est-ce que ça passe? Ouais. Ouais, nickel. Ah ouais, non mais je sais pas comment il a fait pour se foutre ici. C'est là que je vais prendre. Pas grave, j'arrive au bon endroit. Ah mais j'ai plus rien à manger. Oui, bah ça va être compliqué. Bah non. 50. Bah, j'espère qu'elle va se déconcer rapidement parce que sinon je vais être en hypoglycémie. En fait, j'aurai même pas le temps de 10 minutes pour tout vendre. Bah oui, c'est mort. Je vais essayer de gratter un petit peu de temps, mais. On va remonter ici à 25$. Ouais, d'accord, ok. Ah.
Comme entreprise ouverte et fermée. Statut. Fermé, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça. Fermé. Quoi ça, Los Santos County? LSES, le doc, LSS. Ici, c'est mon cas. Bénisse. Ok. Bon. Oui. Encore 100 dans le camion. Est-ce que je réussirai à tenir deux au niveau de la fin? Est-ce que la fin l'a tourné ou pas? Ça, c'est une très bonne question. Ouais, toujours aussi long la Syrie, hein. Ça y est, tu t'en es sorti? Moi oui, mais. Ah non, c'est. Ah d'accord. L'autre il s'est fait rouler dessus sur les jambes et tout, donc c'est un peu plus cool. Ah oui. Non, moi je l'ai croisé, il était en pleine forme, mais juste. Ah oui, sait. Mais après il y a une voiture qui a décidé de faire n'importe quoi. Ah d'accord, oui. Oui, donc forcément il risque pas d'arriver tout de suite.
là 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 là. Allez, c'est parti. Toute cette catastrophe pour quoi? À peine 1500 balles? Ouais. Je veux bien qu'on n'ait pas payé bien cher à l'hôpital, mais c'est vachement plus passionnant qu'ici. Hein. Si tu le dis. Ah oui, les services publics sont les moins bien payés, donc. Ah, d'accord. Tu travailles dans le privé, tu gagnes vachement mieux ta vie. Un petit ordre d'idée, en travaillant à peu près 50 heures par semaine, tu arrives à te faire à peu près 70 000 balles en travaillant à l'hôpital. Ouais. Tu fais la même chose dans le privé, tu arrives à 175 200 000 balles. Ah oui, ouais, quand même, ouais. Ah là, c'est pas la même chose. C'est sûr. Oui, si, c'est ça. Pas de la merde. Bon, encore 50 heures à vendre et c'est bon. Ah bah le téléphone va sonner dans... Oui. Ah non, ça va dans 3 minutes encore. Bon bah ça devrait le faire. C'est déjà mieux. Pas fou, mais c'est mieux. Il y avait un barème, on va voir. Il était dans ça. Il y a le barème. Donc, il était au... Oui, à l'essai, c'est 400 dollars. Si t'es en CDI. 475. 475 fois 4. 50. Ouais, il se fait 95 000. C'est vrai que c'est quand même moins bien que les entreprises privées. En fait, le téléphone retentit, il m'en reste 88 à vendre. T'aurais pas un truc à manger? C'est absolument plus rien. Si.
Nickel, merci. Voilà, comme ça j'aurais pas besoin d'aller à une supérette. Tout de suite, j'irai. J'irai au bloc 4 ce soir même. Non. J'irai faire tous les petits trucs mairie et. On dit quoi, les deux mairies? Ah oui, les EMS pour faire mon dossier médical. On va s'asseoir. Je crois que ça a touché. Ouais, ça a fait schlong. Ah oui, j'aurais peut-être pu me déplacer vu qu'il me reste que 53 rounds. Je risque de galérer un petit peu là. Je vais même carrément galérer, parce que je suis totalement coincé là. Ouais. Bah c'est Zach. Salut les gars. Salut. Salut mec. Bonjour. Ça va? Tranquille toi? Ça va, merci, ton souci. Ça travaille bien? Bah il faut. Dis donc, t'es tout seul à parler. Je vous embête peut-être. Non, il y a les, pas du tout, y a les autres aussi. Non, moi aussi je parle. Ah, voilà, je vous entends. Allez, je parlais peut-être pas assez fort. Non, je pensais pour ça. Salut les mecs, enchantés. Dis-moi, mon cher monsieur, avec les lunettes de soleil et les dreadlocks là. Ouais. Tu m'avais vu. Non, je t'avais vu. Ah. Je pense que t'as rigolé, non? C'était marrant ce que t'as fait. Hein? Un petit coup de pression. Comment ça, quoi? Tu vois pas de quoi je parle du tout? Non. Ouais, j'ai failli t'écraser, non? Deux fois? Ouais, en sortant de la scierie. Là où tu allais transformer ton produit. Avant de venir vendre ici. Ouais, je t'ai pas vu. Deux fois t'as failli m'écraser, en plus je m'approche du camion gentiment pour essayer de discuter, tu m'attends, j'avance, tu redémarres. Ah merde, ensuite, désolé. Ensuite tu me re-attends, je re-avance doucement, tu redémarres. Trois fois. Je me suis dit putain, il se paye ma tête ce con. Pas du tout. C'est vrai? En fait si tu veux j'avais mis mes lunettes pour voir de près, tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai pas vu du tout. D'accord. Bon bah ça va, y a pas de souci. De toute façon j'allais pas te péter la gueule non plus, hein. C'est juste que je me suis dit bah merde. Non, non, mais pas du tout, sinon si tu t'avais vu, je me serais arrêté, t'inquiète pas. D'accord. Avec plaisir. Parce que, il y a déjà tellement de personnes qui n'ont pas d'armes dans cette foutue ville de merde, dans cette société à la mort, moi, l'habitement. Ouais, c'est clair, c'est clair. Que je me suis dit, putain, un jeune gars qui demande du boulot, qui travaille à la scierie, il va pas se comporter comme des putains de gouverneurs ou des flics ou ce genre de choses, quoi. Oh, désolé, si tu voulais faire ce genre de choses. Je me serais arrêté, je t'aurais même proposé de venir avec moi si tu voulais venir ici, je sais pas. Ah, bah c'est sympa. Non, mais ça devait être un malentendu, y a pas de souci. Ah, oh, c'est clair, c'est clair. Vous travaillez ici depuis longtemps, les gars? Bah, je viens d'arriver. Bon, Dieu. J'ai repris aujourd'hui. Tous les trois aujourd'hui? La classe. Bah, disons que, ouais, j'ai démissionné du LSES, donc. C'est quoi ça, LSES? L'hôpital. Ah, ouais. Pourquoi? Parce que je manque de temps pour pouvoir être en médecin. Et disons que. Tu peux décaler si un tout petit peu ton camion que je puisse partir. On prend une place. Ça comme ça, je te laisse la place. Vous n'avez pas démissionné, on vous a viré limite en fait. Ah non, non, j'ai démissionné. Moi je vais vous laisser, je dois y aller. D'accord. Bonne journée à vous. Bonne journée, monsieur. Alors.
Vous voulez toute ma caisse? Je sais même pas où elle est. Non, ça devrait aller. C'est le tas de ferraille à côté. Ça devrait aller, je devrais pouvoir passer. Il va encore m'écraser, zinzin, mais qu'est-ce que... Nickel. Bon, on va se dépêcher d'entrer la Syrie. Je vais prendre le chemin que j'ai fait, le chemin habituel pour la Syrie. C'est-à-dire celui-là. Pas celui de GPS. Et puis on se reverra ce soir. Sur les coups de 19h. Ça passe. Ah oui non, faut que je suive le GPS. On mène pas du tout au bon endroit. Ça va. Tout va bien. C'est bon. Hii. Non mais vraiment là. Deux fois qu'il me fout tout ce truc là. Mais oui, mon Assyrie. Ah, je me suis pas changé, quel enfer. C'est pas grave, de toute façon. Dans la sieste, ça me change automatiquement. C'est peut-être là. Bon, je vous dis donc ouais, ce soir, 19h, pour la suite des aventures de Jack Anderson. J'avais déjà oublié le nom de mon personnage. A tout à l'heure et bon après-midi à vous.